Je crois que j'ai besoin d'appuyer sur un de ces boutons. Qu'est-ce que je dois choisir? Bon, je pense que je vais appuyer sur le rouge. J'espère qu'ils ne laisseront pas tomber quelque chose de l'eau. T'inquiète pas, Quentin. Ce ne sera pas un gros problème. Tu prends le papier toilette. C'est doux et pas lourd. Attends une minute. Je dois prendre tous les rouleaux. Voilà. Tu peux commencer. J'espère que tu vas aimer. Je me suis donné beaucoup de mal et j'ai choisi chaque rouleau juste pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est beaucoup de papier toilette. Et pourquoi faire? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le pire des choix possibles. Mais je sais ce qu'il faut faire. Je vais essayer de faire semblant d'être une momie. Eh bien, Quentin semble être satisfait. Je peux aller voir Lily. Je suis une momie. Élément étranger dans le système. Il faut l'éliminer. Activation du mode. Oh oui, brillant. Qu'est-ce que vous faites? C'est moi, Quentin. Oh. Oh, du papier brûlé. Pas ça. Ça peut déclencher un incendie. Oh, je pense que c'est terminé. L'élément extraterrestre a été éliminé. Je peux passer au deuxième joueur. L'énergie, il n'y a plus. Il n'y a plus d'énergie. Compris, il faut besoin de recharger les batteries. Maintenant, il faut attendre un peu. Eh bien, commençons. Je connecte les fils. Comme ça, c'est bien. Voilà, c'est bon. Je pense que je vais devoir choisir un bouton pour l'instant. Je penche pour le jaune. Mais c'est effrayant d'appuyer dessus. Allez, Lily, reprends-toi. Oh, il n'y a rien qui se passe. La batterie est presque chargée. Il ne reste pas grand-chose. Voilà, c'est super, ça a marché. Je dois aller voir le deuxième joueur. Lily, je suis en route. Il y a quelque chose d'intéressant qui t'attend. Oh, il y a quelqu'un qui se souvient de moi? Je n'ai assez d'appuyer sur ce bouton stupide. Combien de fois? Rien ne se passe. Donnez-moi juste une réponse. Oh, quel désir prononcé de joueur. Je suis fière de toi, Lily. Tu recevras de l'eau, de mer et des algues en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que c'est humide? Je n'allais pas te prendre une douche. Oh, il y a exactement autant de portions que t'attendent que t'as appuyé sur le bouton. Je suis sur le point de me noyer. Il y a trop d'eau. Laissez-moi. Oh, je peux enfin respirer. C'est si bon. Je n'aurais pas dû appuyer autant de fois sur le bouton. Prends ça. T'en auras besoin. Oh, c'est comme être au fond de la mer. Il y a quelque chose de spécial. Il faut attendre que l'eau s'en aille. Oh, je ne suis pas la seule ici. Il y a beaucoup de poissons. Il est temps de commencer le deuxième tour. Bon, je ne vais pas refaire mon erreur. Je vais appuyer qu'une seule fois sur le bouton. Oh non, c'est sorti par accident. Lily a déjà fait son choix. Je suis sûre qu'elle va adorer cette pizza. Pizza? Génial, je n'avais pas tort. Est-ce que finalement j'ai eu de la chance? Je suis heureuse que la chance m'a souri. Merci. Je propose d'ajouter un peu de fromage râpé. On n'a jamais trop de ça sur pizza, Lily. Voilà, c'est tout pour toi. Sers-toi. T'as besoin de refaire tes forces. Du fromage. Oh non. Je suis tellement heureuse. Vas-y, encore, encore. C'est cool. C'est génial. C'est encore plus appétissant comme ça. Je n'ai jamais vu quelque chose de si appétissant. J'ai tellement faim. Je pense que je vais ajouter plus de fromage. Je ne vais pas laisser ça. Je vais juste ramancher ce qu'il y a sur la terre. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas du tout à du fromage. Oh non, c'est une souris! C'est une souris vivante! Sors d'ici! Bizarre, d'où vient ce bruit? Oh non, sors d'ici! Oh! Une souris volante, c'est incroyable! Laisse-moi sortir d'ici. Oui, je l'ai. Allez bébé, atterris! Je ne vais pas laisser te blesser. Tu n'auras pas besoin d'une parachute. T'es si mignonne! Vas-y, cours! Va voir Lily! Et voilà, je vais voir Quentin! Waouh, c'est déjà mon tour! Et je n'ai toujours pas fait mon choix! Bon, que ce soit le bouton vert! Au moins, il y a quelque chose de bien derrière tout ça! Félicitations! Au fait, t'as fait le bon choix! La couleur verte ne t'a pas laissé tomber!
T'as droit à un seau entier de chewing-gum. Je les mâcherai bien moi-même. Mais je ne peux pas. Ce sont les règles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose de rose. Ouais, de chewing-gum. Je n'aurais pas dû être si inquiète. C'est de la chance. Génial. C'est beaucoup de chewing-gum. Je pourrais me baigner dedans. Mais c'est mieux de les manger après tout. Et si je soufflais une bulle? Ouais, je pense que je peux le faire. Oui, c'est génial, ça s'envole. J'ai besoin de plus de bulles. J'ai organisé une fête de ballon. Je suis sûre que ça sera très amusant. Ouais. Wow. Il y en a tellement. Ouais, je ne m'attendais pas à cela de ma part. Un ballon? Quentin semble avoir décidé de gonfler tous ses chewing-gums. Salut. Rejoins ma fête des ballons. C'est moi ou il essaie de s'échapper? Oh non, il ne va pas faire ça. Activation du mode œil laser. Oh, qu'est-ce qu'il arrive à mes ballons? Je vais tomber. Je suis content que tu es de retour, Quentin. Lily et moi avons eu le temps de nous ennuyer. Quel bon timing. Oh, je me suis retrouvée coincée. Ce n'est pas agréable d'être coincée à l'envers comme ça. Laisse-moi t'aider. Félicitations pour ton retour à la maison. Je suis contente que nous soyons tous ensemble. Ma tête. Oh non, ça tourne et ça vole. Voici notre tour. J'espère que vous avez bien appris les règles du jeu. Oh oui, j'ai déjà fait mon choix. Bien joué. C'est la vitesse. Le jeu s'accélère. J'adore ça. Quentin, j'ai de bonnes nouvelles. T'as des beignets pour ta détermination. Bon appétit. Ce sont des beignets? Pas du tout. Il y en a beaucoup. Ouais. Je n'ai pas assez de mains pour les attraper tous en même temps. Boum, c'est bon. Ces beignets me donnent tellement d'énergie. Ça me donne envie de bouger, de chanter, de danser. Je suis éveillée, en pleine énergie. Oh, mais... Non, je m'étouffe. Au secours, je ne peux pas respirer. Oh, j'ai besoin de faire sortir cette boule coincée dans ma gorge tout de suite. On t'a pas dit que ce n'est pas bien de jeter la nourriture par terre? Je n'aurais pas dû renvoyer ça. Ouais. D'accord, je mangerai quand même. Quel est le problème? Je suis là. C'est ton tour. J'ai pointé mon doigt vers le ciel cette fois-ci. Il s'avère que ce n'est pas aussi facile que je le pensais. J'ai enfin réussi. Voyons voir ce que c'est. T'es moins déterminé que Quentin, mais quand même, je te félicite aussi. Dommage que tu n'aies pas eu beaucoup de chance cette fois-ci. Je sais pas pour toi, mais je ne voudrais pas finir couvert de colle. Mais on peut pas l'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu verses sur moi? C'est de la colle? Pas du tout. Ouais. C'est dégoûtant, c'est coulant. Christopher, il n'en reste plus grand-chose. Oh non. Mes bras sont collés à mon torse. Aidez-moi, je ne peux pas bouger. Ah, j'ai appuyé sur un autre bouton. Oh ça, je n'ai besoin de rien d'autre. Wow, Lily est impatiente de jouer. Inattendu, mais très louable. Eh bien Lily, tu vas avoir droit à de magnifiques paillettes. Non. Tu vas l'adorer. Pas dans cette situation. Ça va se couler à moi. Attendez, c'est assez. Je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, je ressemble à un sapin de Noël. Je pense que c'est bien. Tu brilles? Et c'est cool. Wow, c'est génial. C'est comme une boule disco. Mettons de la musique. Oh, la fête! Oui, la musique à fond. Faisons bouger cette piste de danse. Oh, oui, tout le monde danse. Suivez mon exemple. Vous pouvez le faire. C'est tout, les gars. Bon travail. Et encore, continuez. À droite, à gauche. C'est génial. Le challenge est sur le point de se terminer et j'ai encore peur de faire mon choix. Quoi choisir? Je sais même pas. Bon, peut-être le bleu? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-moi! Lily, t'es si imbécile. Malheureusement, cette fois-ci, c'est justifié. Je n'ai rien pour te faire plaisir. Oh, ça pue! Je ne peux pas respirer. Mes yeux sont même en train de pleurer. Il faut faire quelque chose. Je vais essayer de boucher ce trou. Heureusement que j'ai un bouchon. C'est beaucoup mieux. Les poissons, puants, surtout pour Lily.
bizarre. D'où vient le bouchon? Je ne comprends pas. Ça m'empêche de poursuivre le challenge. Il faut l'éliminer. Ma tête! Ça fait mal. Tout est flou devant mes yeux. Je pense que je vais m'allonger. Voilà, maintenant, nous pouvons continuer. Lily, prends ton poisson. Regarde combien il y en a. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu jettes tout ça? Je ne veux pas du poisson. Je ne veux pas ça. Oh. C'est dégoûtant. J'ai besoin d'un masque à gaz. Bon appétit. Oh, un autre poisson. Vas-y, Lily. Ouais. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Il faut viser plus précisément. C'est cool. Oh non, pas encore. J'ai un poison à l'arrière de mon cou. Comment je peux le faire sortir? Je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin, Lily. Quand le temps s'est mis déjà, il est temps de lui rendre visite. Il a alors temps de faire un choix. Pourquoi est-ce que c'est toujours si difficile? Oh, quel bouton intéressant! Il doit y avoir quelque chose d'inhabituel derrière tout ça. T'as raison, Quentin. Mais avant d'obtenir ce que t'as choisi, tu ferais mieux de mettre ton casque. Un casque? C'est très étrange. Si tu le dis... Mais je suis pas très à l'aise avec ça. Mais maintenant, je suis totalement protégée. Alors, nous pouvons commencer. Ces biscuits au sucre vont aller dans ta boîte. C'est délicieux, mais un peu dur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si c'était des briques tombées sur ma tête. Ouais, c'est une bonne chose que je portais un casque. Oh! Ouais! Des biscuits au sucre! Il y en a un entier. Ouais, et un sort de clou. Ça signifie que tu dois couper ce biscuit en 30 secondes. Au fait, ça marche. Pourquoi j'appuie sur ce bouton? Si je vais pas réussir, je vais perdre. Je dois faire plus d'efforts. Je ne veux pas être puni. Oh, stupide de clou. Bon, c'est plus rapide. Vas-y, Quentin, allez. Oh non, je l'ai cassé. T'inquiète pas. Je pense que t'as fait des efforts. Mais ça va pas t'aider. Oh non. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est des égouts. Oh non, je vais puer pendant les lustres. Mais c'est ta propre faute. Tu n'aurais pas dû perdre. C'est la fin de l'histoire. Oh, c'est tellement effrayant, je sais pas où appuyer. Oh, oui, je choisis ça. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Mon Dieu! Ça pique! Waouh! Monica a déjà appuyé sur le bouton! Waouh! Aidez-moi! Je suis piégée! Laissez-moi sortir d'ici! Ah! Ça fait mal! Elle n'avait pas du tout l'air d'aimer ça. Je pense que je devrais faire attention à mon choix. Je ne veux pas faire d'erreur. Oh! Je me souhaite bonne chance. Bon, allons-y. Qu'est-ce que c'est? On dirait la foireuse. Tout est clair, ennuyeux. Waouh! Comme tout est joli et doux! C'est joli. Quand c'est agréable de toucher ces murs, la classe! Comme c'est mignon! Ce n'est pas du tout amusant, regardez! Je tombe, aidez-moi! Oh, ça fait tellement mal! C'est quoi ça? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Salut Lily, merci de m'avoir attrapée! T'as un si bel endroit! Monica, comment t'es rentrée ici? Oh ouais! C'est très drôle! Voilà, tout le monde est retourné à leur place, c'est mieux. Qui va commencer cette fois-ci? Je n'ai pas encore décidé ce que je vais choisir. D'accord, nous allons en voir ce bouton. Monica, t'es de nouveau la première. Oh wow! Oui, exprimez-vous! Une affaire aussi importante ne peut pas être précipitée. Je vais le jeter en sort. Voyons ce que nous avons ici. Oh wow! Une banane noire! C'est incroyable! Ah, ma tête! Qu'est-ce que c'est que c'est? Une banane? Je n'ai jamais rien vu de tel. Mon Dieu, il y en a beaucoup! On aurait pu le lancer avec un peu plus de précaution. J'espère que ces bananes sont aussi savoureuses que les bananes ordinaires. Je pense que je devrais les essayer. Ça a l'air plutôt bien. Oui, super! J'ai fait le bon choix cette fois-ci. J'aimerais que ce soit toujours comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh non! Arrête, Monica! Désolée, mais je n'ai pas de trop droit pour la mettre.
Attention! Tu me l'as presque pris en pleine figure! Ramasse tes déchets! Arrête de jeter tes déchets! Je ne vais pas tout nettoyer! Je ne sais pas que tu étais une telle flemmarde! Je vais mieux voir Lily! Merci pour ta confiance, mais je n'ai pas encore pris ma décision! Je pense que je devrais appuyer au hasard! Eh bien, c'était la bonne décision! T'es très chanceuse, Lily! Félicitations! Tu vas recevoir un énorme pot de Nutella rose! Je n'hésiterai pas à l'essayer moi-même! Je suis sûre que c'est délicieux! Oh oui, c'est génial! C'est vraiment génial! Et maintenant, il est temps de donner à son propriétaire légitime. Prépare-toi un délicieux déjeuner, Lily! Elle t'attendra d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que c'est si coulant? Oui, ça sent bon et j'aime bien le goût. C'est du Nutella? J'ai de la chance! Bon appétit! Comment te sens-tu? T'aimes bien? Ah oui! C'est délicieux! Merci beaucoup! Wow, c'est beaucoup de Nutella sur le sol! Je suis prête à tout manger! Oh, c'est dégoûtant! Wow, les filles, vous n'avez absolument pas de bonnes manières! Monica, t'as presque fait tomber! Oh non, les pelures de tes bananes sont partout! Oui, on y va! Qui sera la plus courageuse cette fois-ci? Je suis prête à essayer même si j'ai toujours peur! Lily, il est temps de prendre une décision. Rassemble-toi, le temps presse. J'ai appuyé dessus, qu'est-ce que c'est? T'es sur le point de le découvrir. Donne-moi quelques secondes pour que tout soit prêt. Alors, t'as choisi un délicieux soda. Félicitations. J'en aimerais bien moi-même, mais... Et là, je dois vous donner jusqu'à la dernière goutte. Oh, j'adore. Ça a bon goût. Mais je pense que c'est déjà assez. Je ne peux pas l'arrêter. C'est assez! Ça devient trop humide! La situation est hors contrôle! Je suis toute mouillée! Arrête! Eh bien, cela semble être le cas maintenant! Avant, je pensais que je ne pourrais pas le supporter! Il est temps de reprendre mes esprits! Eh bien, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin! Aïe, ma tête! Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas avec Lily? Mais ce n'est pas mes affaires, Monica m'attend. J'ai presque choisi le bouton, laissez-moi y réfléchir un peu plus. Ah oui, je l'ai! J'ai pressé, j'attends! Bien joué, Monica, t'as fait un choix rapide cette fois-ci. Voyons ce que t'as. Énorme burger! Félicitations! C'est génial! Je suppose que je n'aurai plus besoin de couvercle. Honnêtement, je peux à peine m'empêcher de me le manger! Mais le burger a un inconvénient. Il est froid! Ah, je sais! Je vais le réchauffer avec un brûleur à gaz! C'est tout! Ce n'est pas difficile, il faut juste attendre un peu. Oh, je pense que je m'en sors très bien. Oui! Je sens déjà une brioche bien chaude. Il ne reste plus grand-chose. Ah ouais? Oh non! Le burger est brûlé jusqu'en devenir croustillant! Je vais faire comme si c'était le cas. Vous n'allez pas me trahir, n'est-ce pas? Serre-toi, Monica, c'est pour toi! Cendre fraîche! Ah! Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas respirer! Arrête, arrête! Comme tu veux, il n'y a rien d'autre ici, de toute façon. Oh, j'ai l'impression de mettre vos traits dans le charbon! J'ai besoin de prendre une douche tout de suite pour laver tout ça! Ça n'a rien à voir avec moi du tout. Comment vont mes oiseaux en cage? Pas si bien que ça, en fait. C'est si douloureux de choisir. Mais tu l'as quand même fait, Lily. Je suis déjà là. Prépare-toi à recevoir ce que tu mérites. N'aie pas peur, tu vas adorer. C'est très appétissant. Ouais, c'est lourd. J'ai failli me casser le dos. Bon, nous devrions nous faire masser aujourd'hui. Regardez cette énorme fournée de nouilles. Mon Dieu, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, des nouilles. C'est génial. J'ai peur pour rien. Oui, ça a un goût génial. Enfin, je vais pouvoir manger. Heureusement qu'il y en a tellement. Je vais avoir faim. Ce challenge m'a épuisé. J'ai besoin de reprendre des forces. Je suis heureux que tout se soit déroulé comme ça. Oh, j'ai complètement oublié de te donner les baguettes. Je vois que t'en as pas besoin. Mon Dieu! Mais ton ventre! Ah, comme c'est bon! J'ai déjà pleine. Maintenant, je peux me reposer. Oh, il reste encore des nouilles. Ouais, il faut que je l'attrape. Super! Oui, il faut des ajouts.
Ouais, non, je peux pas. Super. Je vais voir Monica. Pas besoin de se précipiter. Je suis encore en train de réfléchir. Ce n'est pas un choix fossile. Je pense que je vais rester avec ce bouton-là. Je suis prête à tout. C'est agréable d'entendre. Très courageux de ta part. Alors, retour à mon œil. Effrayant! Je pense que je suis un vrai génie de balle. Oh, je plaisante. Cet œil est fait de marmelade. Je pense qu'il y a de la farce à l'intérieur. Ça vaut le coup de vérifier. Waouh! Ouais, c'est de la confiture. Comme c'est délicieux. Je dois l'essayer. C'est génial. Monica va adorer. Alors commençons par la farce. L'essentiel de ne pas faire tomber l'œil. Oh, je crois que ça coule. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est la confiture sucrée. Génial, t'arrête pas, je veux plus. C'est bon? Je suis heureuse d'avoir fait le bon choix. Félicitations, Monica. Oups, je n'ai pas pu garder l'œil ouvert après tout. Désolée, comment ça va? Je ne peux rien voir. Enlève-moi ça. What? Qu'est-ce que c'est? Oui, il faut voir. C'est agréable de toucher? Je vais goûter ça. Waouh, c'est de la marmelade! C'est génial. Il faut la baigner dans la confiture. C'est une super combinaison. Je suis si chanceuse après tout. Oh, elle ne semble pas avoir été blessée. C'est bien, sinon je m'en voudrais. Mais comme elle est dérangée? C'est tout simplement dégoûtant. Je ne veux pas regarder ça. L'œil de marmelade est tellement énorme. Il va me durer longtemps. Super. Est-ce que je dois presser? Je pense que ma couleur préférée est le rouge. Excellent choix. Ce bouton particulier te donnerait de l'œil. Rien d'ordinaire, mais avec le piment fort. Si on t'y dit. Oh, attention. Je ne pensais pas que nous étions vraiment plus comme ça. Maintenant, je suis tout avec ses filles. Ce n'est pas grave, c'est quand même très bon. Pour bien la manger, j'ai besoin des baguettes. Sans les baguettes, c'est pas des nouilles. Oh, c'est bon, écoute. Je m'assois et je mange des nouilles. Qui, au passage, sont très épicées. Ah, je suis en feu. À l'aide. Oh, je crois que nous avons un incendie. Nous allons tous brûler. Oh, pas du tout. Je pense que je peux éteindre ces flammes très rapidement. J'ai un extincteur. Je suis déjà sortie moi-même. Tu ne fais qu'à déverser ces points sur moi. Combien est en long? Oh non. Ah, l'important est de le faire sortir. Coup de mousse. Qu'est-ce que je dois choisir? Je pense que le karaté va m'aider pour ça. Kia! Excellent choix. Wendy, allô? Pétillant. J'adore le pétillant. J'espère que toi aussi. Oh, quelque chose de lumineux. Et c'est délicieux. Quel plaisir de manger. Et ça grésille. J'adore. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Il y en a tellement. C'est trop de bon. Il faut une douche. Plus il y en a, mieux c'est. C'est délicieux. C'est aussi très bruyant. Ce n'est pas seulement vraiment très bruyant, mais c'est vraiment, vraiment grésillant. Oh, c'est magnifique. Des vrais feux d'artifice. Comme à la fête. Quelle différence de choisir. Je ne sais même pas ce qu'il y a derrière ces boutons. Excellent choix. Cette fois, ce sont des rouleaux de papier toilette qui t'attendent. Moi, je pensais que ce serait juste de la nourriture. Non, ce n'est pas le cas. Il y a tout un tas de papier toilette qui t'attend. Ah, une énorme pile. Oh my god! Combien je dois manger pour aller aux toilettes comme ça? Oui, toilettes.
Je pense que une tasse irait parfaitement avec le papier toilette. Si tu mets de la pâte de chocolat sur le papier toilette, Suzy sera certainement choquée. C'est une farce très drôle. Bon, il n'y a plus de papier. Hein. Et alors, Suzy? Voilà ta friandise. Quoi? La friandise? Oh. Ah, c'est du caca! Pourquoi je voudrais ça? On dira que Wendy attend aussi un cadeau en chocolat. What? Oh, qu'est-ce que c'est? Devine! Je crois que j'ai compris. Ça sent vraiment bon. De plus, le chocolat a aussi un bon goût. J'avais oublié. Il doit appuyer sur le bouton. T'as de la chance. C'est le bouton qui te donne accès à l'argent. Félicitations, c'est une très bonne victoire. Je suis d'accord. Je suis chanceuse. Maintenant, je suis riche. T'as appuyé sur le bouton. Et quelle chance pour toi, c'est le bouton qui te donne de l'eau. Ah. Quoi, il y a des poissons ici. Je ne m'attendais pas à ça. Oh non, mon argent s'est tout mouillé. Oh non. Ah, il y avait de l'argent et puis voilà, pas d'argent. Ah, t'en veux quoi? Non, je ne vois pas. Je sèche l'argent. Et t'es plus intelligente que je le pensais. Qu'est-ce que je dois appuyer cette fois-ci? Je pense que je vais appuyer sur le bouton vert. Ah, t'as de la chance cette fois-ci. Parce que sous ce bouton, il y a de délicieuses guimauves qui t'attendent. Très savoureuses et très pâteuses. Même trop. Vas-y, attrape. Qu'est-ce que ça va être? C'est quoi ça? Une vraie chute de neige. Et à partir de mes guimauves préférées. C'est tellement beau. C'est comme les verres tout autour. Alors t'aimes? Bien sûr que j'aime ça. Non seulement c'est très joli, mais c'est aussi très savoureux. Les guimauves sont géniales. Je les adore. Ils sont délicieux. Juste magnifiques. Génial, hein? Les guimauves sont délicieuses, bien sûr. Mais si j'obtiens les sécheux, ce sera aussi très amusant. C'est délicieux. Et c'est aussi très chaud ici. C'est bizarre, ce n'est pas du tout l'été. Ça devrait être le contraire. Et il devrait être froid, non? Hé, tu fais quoi là? Quoi? C'est un cadeau supplémentaire pour toi. Un peu de chaleur. Pourquoi faire? Je marche pas le sang en train de fondre. Stop! Please stop! Quoi? Arrêtez! Non, je ne m'arrêterai pas. S'il te plaît, arrête! Il se transforme déjà en quelque chose d'horrible! S'il te plaît, s'il te plaît! Ne crie pas, je me suis déjà arrêtée. T'aimes pas? Alors, ces guimauves ne ressemblent pas seulement de la neige, mais elles vont aussi très coulantes! Tu es couverte de cette substance blanche! Regarde ce que t'as fait! Je pense que c'est drôle! Oh! Qu'est-ce que t'as fait? Je veux manger. Bien, bien. Quel bouton choisir? Je pense qu'il est temps pour le bleu. Oh, bon choix. Tu vas vivre quelque chose de très spécial. Avant de te nourrir, j'ai besoin de me sécuriser. Il y a tout un tas de délicieux fromages qui t'attendent. Et le bleu est incroyable. Suzy, t'es prête pour ta prochaine friandise? Si c'est le cas, voilà. Bon appétit. J'espère que tu vas aimer ça. Qu'est-ce que c'est? Et voilà, on peut. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, le fromage puant. Oh, oh, je vais vomir. C'est quoi cette odeur? Hey, you. Je ne peux plus respirer dans cette boîte. Alors, vous aimez ces cadeaux? Est-ce que ça sent bon? J'ai essayé. J'ai passé toute la journée à choisir le plus horrible des fromages. Il semble que mes efforts n'ont pas été vains. Alors, vous aimez l'odeur? Je vois que vous l'avez bien senti. Je peux aussi vous fournir des masques tissus. De l'air! De l'air frais! Enfin! J'espère avoir de la chance. Je vais essayer quelque chose de vraiment savoureux. C'est ton choix et le bouton jaune. Alors, tu vas te régaler un jaune. Laisse-moi juste faire sortir les abeilles d'ici. Et dès que je l'aurai fait, il y aura tout un baril de gros miel frais et sucré. C'est vraiment frais. C'est tellement délicieux et c'est tellement persistant. Je pense que c'est assez. Il est grand temps que tu aies un peu de ce magnifique miel. Qu'est-ce que ça va être? Mamma mia! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si cool? J'ai l'impression que cette bouillie s'est répandue dans tout mon corps. Mais c'est très bon. Vas-y, goûte. C'est vrai, c'est bon? Allez. Oui, c'est pas mal du tout. Oui, je suis très contente qu'il y en ait beaucoup. Je peux manger. On peut nager dedans. Là où il y a du miel, il y a des abeilles. Et je suis forte. C'est pourquoi je vais m'occuper de ces créatures volantes très rapidement. Allez, je pense que tu as appuyé sur les boutons. Je pense que tu as besoin de plus de cadeaux. Les idées plus seraient parfaites en ce moment. Tiens ça. Vas-y, tiens. C'est quoi? Pourquoi il y a toutes ces plumes? Je deviens blanquement comme Yeti. Je n'aime pas du tout ça. Et ce n'est pas encore fini. En plus de tout ça, il y a du lait blanc qui t'attend. Je sens que t'as besoin avec du miel. Arrête de te moquer de moi. Ce n'est pas drôle. Je ne suis pas encore moqué de toi. T'as appuyé sur beaucoup de boutons. Alors voilà ce qui t'attend. Voilà le pop-corn. J'adore le pop-corn. Il est tellement bon. Oh, c'est beaucoup plus intéressant que dans les films. Alors le pop-corn sera parfait. Oh, c'est ce que j'appelle de la chance. J'ai vraiment le pop-corn. Je pourrais en manger tout le temps. Parce que c'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. Quoi appuyer? Je veux pas les abeilles. Peut-être le verre. Tu n'aurais pas dû appuyer dessus. Tu sais même pas ce qui t'attend. Et voilà des petites choses très mignonnes qui t'attendent. Généralement, les cafards. J'en ai pas mal. Ils ont leur propre maison. Voilà. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'en ai besoin de la terre? What? On connaît personne qui mange de la terre. Alors pourquoi je devrais le faire? Oh non, tellement de terre. Oh, ta femme! C'est ma plus grande peur. Tout sauf eux. S'il vous plaît. Ils sont en train de nous lancer partout. Aidez-moi. Au secours. Je n'en peux plus. Voilà. C'est assez. Quoi? C'est contraire aux règles. What? T'as ruiné une boîte parfaite. Comment t'as réussi à faire comme ça? Je n'arrive même pas à prendre une telle position. Bon, d'accord. Je vais le réparer. Monica, tu commences. Moi? Mais pourquoi moi? D'accord, essayons. J'espère avoir de la chance.
T'atterris sur un terrain très intéressant. Et c'est des œufs de poule. Qui ne les aime pas? Fais attention à la tête. Oh, ça fait mal. Arrête. Hey, you! Qu'est-ce que je sens ces fiers avec ce tas d'œufs cassés? Tu ne peux même pas faire des œufs ici. Qu'est-ce que tu dois faire, c'est t'asseoir avec eux comme un poulet et masser d'un tour. Je vais essayer le verre. Waouh, ouais, Emma, t'as plus de chance que ton ami. Ok. Au lieu de ce moche, t'obtiens les délicieuses cuisses KFC. Mais il y a un piège, ils sont vraiment épicés. Mais tu le découvriras plus tard. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde au plus près. C'est KFC. Ah oui, c'est vrai. Alors, je suis très heureuse. J'adore le KFC. Wow, quel appétit. Je ferais plus attention si j'étais toi. Mais pourquoi? C'est très bon. Mais c'est épicé. Pourquoi vous n'avez pas prévenu? C'est horrible, je suis en feu. Ah, pourquoi? Je n'ai pas besoin de le faire. De plus, Zach, le présentateur, doit partir pour le moment. Zach, le pompier, prend sa place. Emma, couvre les oreilles pour que l'eau ne pénètre pas. Je vais te mettre. Oh, plus vite, dépêche-toi. C'est ça. Zach a encore sauvé la journée. Mais c'est toi qui m'as donné tout ça. Je sais rien du tout. Ciao. Monica, t'es de nouveau la première. Où dois-je appuyer? Je pense que je vais m'arrêter sur ce bouton jaune. C'est au-dessus de moi, c'est tout comme le soleil. Donc il me faudra forcément chance. Bon choix. Désormais, la couleur du bouton correspond à la couleur que t'as reçue. Fais-moi confiance, tu vas adorer. C'est de l'or. C'est un peu inhabituel cependant. Quelle différence! Je suis heureuse avec n'importe quelle heure. Super. Alors prends de l'eau liquide. Liquide? Je savais même pas que telle chose existait. Eh bien, le liquide, ça me convient aussi. Ce n'est pas tout. En plus, tu recevras des pièces d'or. Ils sont tout aussi bons que de l'or véritable. Super, je suis riche maintenant. Très riche. Yay! Nous devons nous dépêcher à le partager avec tout le monde. Tout le monde doit savoir que Monica est riche. Waouh, elle vient d'obtenir de l'or. Elle dit déjà à tout le monde. Oh, je pense que la richesse m'a fait tourner la tête. Emma, maintenant je viens à toi. Vous avez déjà joué au pierre-papier-ciseaux avec vous-même. Je pense que c'est une façon vraiment cool de résoudre toutes les questions difficiles. Ah, oh, je pense que je veux de l'or aussi. Alors je vais appuyer sur le bouton jaune. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Au lieu de l'or, t'obtiens cette adorable araignée. I'm waiting. Oh, oui, mon cadeau. T'inquiète, tu seras ami avec lui à coup sûr. Regarde. Mais c'est un araignée. Non, je t'en prie, ne mange pas. Non. S'il te plaît, je t'en supplie. Waouh. On dirait qu'il y a un vrai massacre là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me suis évanouie? Qu'est-ce qui fait ces bruits forts? Waouh! Je pense qu'il m'a vraiment besoin d'aide en ce moment. Mais j'ai peur des insectes, je ne les supporte pas. Merci. Personne ne va sauver la pauvre Emma. Qu'est-ce qu'il y a à sauver pour toi? Monsieur Araignée est sorti tout seul. Alors tu te débrouilleras très bien toute seule. Monica est de nouveau la première. Dépêche-toi de choisir un bouton. Il y a un bouton spécial pour mon anniversaire. Alors je peux y appuyer.
Je me demande quel genre de cadeau ils vont me laisser. Qu'est-ce qu'un anniversaire sans confetti? Bien sûr, ce n'est pas pareil. Alors, couvre tes oreilles, ça va exploser. C'est tellement bruyant, je deviens sourde. Et ce n'est pas tout. Le plat principal est juste devant toi. J'ai un énorme gâteau pour toi. Alors dépêche-toi de l'attraper pour qu'il ne tombe pas. Wow, c'est tellement beau. C'est le gâteau le plus cool que j'ai jamais vu. Merci. Alors fais un vœu, souffle les bougies. Je vais le faire en haut. Je souhaite que le gâteau que je m'apprête à manger soit le plus délicieux de ma vie. J'espère que ce sera le cas. Cool. Tu pourras peut-être partager un peu un gâteau avec moi aussi. Parce que je n'y ai même pas goûté. Attends, je vais d'abord le manger. Radine, tu vas tout manger. Mais non. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi cela met-il si longtemps à m'attendre? Oh waouh, c'est l'anniversaire de Monica. Félicitations, danseur. Pourquoi ne viens-tu pas chez moi? Oui, il est grand temps. Monica ne me traitera pas de toute façon. J'ai juste faim. Puisque le bouton anniversaire te donne un si gros et délicieux gâteau, je vais appuyer aussi. Tu ne comprends pas. Okay. T'as des prix différents. Je n'ai pas eu le temps de faire le deuxième gâteau. Moi, j'ai apporté tous les ingrédients avec moi. Alors, si tu veux vraiment, tu peux faire ton propre gâteau. Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Je suis toute blanche, je ne peux rien voir. Je comprends cela, mais il faut être patient. Parce qu'il y a tellement de choses à venir. Comme du lait, prends ça. Assez. Pourquoi j'ai besoin de lait? Je ne peux même pas le boire. Je suis toute mouillée. Et infamine. Ne jure pas, c'est l'heure de l'ingrédient le plus délicieux, le sirop de chocolat. T'es prête? Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous faites? Je ne veux pas ce gâteau. Le sirop est délicieux. Je suis couverte. Je suis toute coulante. Je ne peux rien voir. Ouais. Ça va porter ses fruits. Parce que maintenant, ce délicieux éclat coloré t'attende. C'est déjà aussi délicieux qu'un gâteau. Ah oui. J'ai juste eu le temps de lécher le sirop. D'accord, au moins, les vermicelles sont savoureuses. C'est bien. Et enfin, la crème. Quel gâteau ne peut pas s'en passer? Allez, je ne suis pas surprise par quoi que ce soit. La crème est bonne aussi, alors verse autant que tu veux. Et la touche finale, la bougie. Quoi? T'es un vrai gâteau maintenant, après tout. Qu'est-ce qu'un gâteau sans bougie? What? Ouais, joyeux anniversaire! J'en ai marre de ça. Quoi d'autre? Cacahuètes? Du chocolat? Des bonbons? Non, le gâteau est prêt. Maintenant, il faut s'amuser. Très amusant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah oui! Emma, tu ressembles vraiment à un gâteau géant. Oui, j'ai essayé. Tada! Alors, qui sera la première? Marie, c'est toi. Félicitations. Je vais tout préparer maintenant. Je n'aime pas attendre. Je pense que j'ai juste appuyé sur le bouton. Alors, c'est quoi ça? Je comprends pas. Pourquoi Kate a poussé sur le bouton? D'accord, c'est ton choix. Rien ne se passe. Oh non! C'est du coca. J'adore. Je veux plus. Oh, c'était le bon choix. La chance est de mon côté. Mais pourquoi c'est que? Je veux plus.
Kate, tu me surprends. C'est effronté de ta part. Mais bon, je vais devoir trouver quelque chose. Je me demande de plus. Oui, ça a marché. J'ai dû acheter une plus grande bouteille. C'est tout, je n'en veux plus, merci. C'est assez. Il y a déjà trop de coca. Désolée, mais il faut que je verse tout. Je vais m'étouffer. Laisse-moi sortir. Waouh. Je pense que c'est très mauvais. Elle est comme un poisson dans le bocal à poisson. Tiens, ok, je sais ce qu'il faut faire. Nous allons avoir une explosion et tout le coca va se déverser. Et tu seras libre. Prépare-toi. Pourquoi il y a autant de mousse? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mon nez est tout mouillé. Tu vas bien, Kate? Je comprends pas. Je respirais de plus en plus. Je suis heureux que nous ayons réussi à traverser cette épreuve. Je te laisse un peu tranquille, je dois aller chez Marie. Je suis déjà là. Super. Elle est temps de faire un choix. J'appuie sur le bouton jaune. Qu'est-ce que c'est? C'est bien, c'est logique. Je vais avoir besoin d'un pistolet à bulles. Prépare-toi, Marie. C'est parti! Comme c'est beau! Ouais! Je crois que je suis dans un conte de fées. Je suis content que t'aimes ça. Mais ce n'est pas encore fini. Continue comme ça, Zach. Ça me semble éclater des bulles. Il faut aussi organiser une fête de la mousse. Je pense qu'elle est un peu ennuyeuse. Eh bien, nous n'avons plus de mousse dans le pistolet. Si t'aimes tellement ça, je vais tout verser dans une seule fois. C'est à toi, Marie. Pourquoi il y a tant d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes bulles? Je ne peux rien voir. Et la mousse m'est entrée dans les yeux. Désolée, ça ne pouvait pas durer éternellement. J'ai dû y mettre un gros terme. C'est tellement glissant ici. Je crois que je ferais mieux de ne pas bouger. C'est le bon choix. Je te propose de te reposer. J'ai hâte de continuer. Je suis prête à appuyer sur le bouton. J'aime le bleu. Super. C'est parti. Je suis en route, Kate. T'inquiète pas, t'as encore de la chance. T'es préparé une énorme fournée de marmelade douce et délicieuse. J'ai envie de la manger moi-même, mais je ne peux pas. C'est tout à toi. La chance m'a encore souri. Super. Je commence vraiment à aimer ce challenge. Les marshmallows sont si aériens. Super. Ça va bien? Waouh. Quel appétit! Je suis prête à manger de la marmelade pour toujours. C'est si bon d'en avoir autant. Merci, Zach. Toujours à ton service. En fait, tu ressembles beaucoup à un hamster avec tes joues farcies. Très bien, j'y vais. Marie, attends. J'ai presque décidé du bouton. Je dois me concentrer et viser juste. Le bouton vert, c'est génial. Il y a des nachos épicés qui se cachent derrière. Waouh, ça a l'air intimidant. Ma langue est en feu rien qu'en la touchant. Je ne t'envie pas, Marie. Tu joues avec le feu. Ouvre la bouche en grand. Waouh, ce sont des nachos. C'est très cool. Alors j'ai eu de la chance aussi. Zach, ne regrette pas. Lance tout. C'est un joli croquant dans la bouche. J'en veux encore et encore. Je pense que la réaction est sur le point de commencer. Du feu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait si chaud ici? Je brûle! Tu n'aurais pas dû me tenir si près! Le feu, c'est génial. Il est temps de faire griller mes marshmallows. Ça a bien tourné. Merci, Marie. Je crois que je me sens un peu mieux. Je dois m'allonger. La guimauve est devenue si douce et tendre. Je suis ravie. Je me sens un peu froissée et grillée. Je suis contente que ce soit terminé. Qu'est-ce que tu fais, Kate? Je me suis enfin nettoyée, nous pouvons continuer. Kate a presque fait le choix. Génial! Donnez-moi une seconde de plus, je n'arrive pas à me décider. C'est ça, c'est cliqué. Non, please. Tu n'as pas à t'en quitter autant, t'as de la chance. Oh, vous regardez déjà? Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher.
J'adore le Nutella. C'est ça, je ne mangerai pas une autre goutte. C'est pour Kate. Sers-toi. Pourquoi est-ce que c'est coulant? Qu'est-ce que c'est? J'ai compris, c'est le chocolat. T'arrêtes pas, Zach. J'ai une idée de faire le sandwich sucré. Heureusement que j'avais du pain grillé sous la main. C'est si doux. C'est génial. J'ai juste le prendre et le tremper dans du chocolat. Quel énorme sandwich c'est! C'est le bon moment pour le manger. Je n'ai rien trouvé de mieux. C'est délicieux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Kate? Je suis absolument heureuse. Merci, Zach. Je suis content, mais je comprends toujours pas pourquoi t'es couvert de tranches de pain. Honnêtement, ce n'est pas la vue la plus agréable. Assez de bavardage, Kate. C'est mon tour. Tu vois que t'as déjà fait ton choix. Eh bien, maintenant, toi et moi allons faire des beignets. Tu dois d'abord prendre la farine. Arrête! Je n'aime pas la farine. Ça me donne envie d'éternuer. Maintenant, nous allons avoir besoin d'œufs. Je suis en train de les craquer maintenant. What? Des œufs? Tu te moques de moi? Le lait est super aussi. Mais c'est ce que dit la recette. Nous ne devons pas nous écarter. Voyons voir ce que nous avons d'autre. Oui, il est temps de tout fouetter. Oh oui, passez le fouet. What? Oh my God! Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du fer qui sort de ma tête. J'ai presque oublié, nous avons besoin de glaçage. C'est la touche finale. Je verse. Oh non, comme c'est coulant! Je n'aime pas du tout ça. Et bon, je pense que nous avons fait tout ce que nous devions faire. Je n'ai pas l'intention de tolérer ça plus longtemps. Marie, tu vas où? Ah, oh, je me suis souvenu d'utiliser les paillettes de pâte. Mon Dieu, c'est magnifique. T'es magnifique, toi. Merci, mais ça m'énerve quand même. Et je pense que ça a bien tourné. La seule bonne chose à son sujet, c'est que ce soit délicieux. Miam. Ça devient ennuyeux ici. J'en ai assez d'attendre. Kate a cliqué, super. En route. Cette fois, le livre de comptage va m'aider. Ça m'a demandé d'appuyer sur ce bouton. Le plaisir commence, enfant. Je suis si heureux. Ces magnifiques cafards vont chez Kate en ce moment. J'espère qu'elle ne se rend pas compte que ce sont des jouets. Attendons une seconde, j'ai presque oublié quelque chose. Nous devons mettre un vrai pour que ce soit crédible et qu'elle l'achète à coup sûr. Viens ici, mon petit bébé. Très bien, maintenant nous sommes tout prêts. Commençons. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends. Oh, ça ressemble à de la terre. C'est dégoûtant. Je n'aime pas du tout ça. Bien. La terre. J'espère que c'est la forme de tout ça. C'est impossible! C'est plein de cafards! Il faut les faire sortir d'ici. Laisse-moi sortir d'ici. J'ai peur des insectes. T'es pas censé sortir, c'est contre les règles. Retourne dedans. C'est ça, c'est une autre chose, ça. Je ne veux pas être ici. C'est moi ou les cafards sont fous. Oh, c'est vrai. J'ai peur pour rien. Je peux me détendre. Essaye de me faire peur, Zach. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y a un cafard sur ma tête qui bouge. Oh non, ce n'est pas le cas. Va-t'en. Prends ça, prends ça. Oh, j'ai des vertiges. Je me sens malade. Hé, mon pote, je suis heureux que tu sois sain et sauf. Bien ici, tu m'as été d'une grande amie, merci. Bien joué. Mon choix doit être aussi précis exact qu'un coup de feu. Je n'ai qu'en marge d'erreur. Alors, qu'est-ce que c'est? Et il est temps de se rafraîchir. J'ai déjà apporté de la neige. Supporte-moi, Marie. Il fait si froid que j'ai dû me réchauffer. C'est à toi. Prends ça. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il fait si froid. Mais c'est pas de la neige. C'est magnifique. Mais je commence à geler. J'ai une idée. Nous avons besoin de nous envelopper dans une couverture tout de suite. C'est beaucoup mieux. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Je vais devoir porter un chapeau chaud. Heureusement que je l'ai apporté avec moi. C'est parfait en ce moment. C'est ça, c'est bien.
Je me réchauffe. Eh bien, nous pouvons jouer. J'aime la neige. C'est tellement amusant que ça me met dans l'ambiance du nouvel an. Encore de la neige? Super. Continue à faire du bon travail. Puisque t'aimes tant les activités hivernales, je propose que nous jouions aux boules de neige. Ce n'est pas une mauvaise idée. J'en suis. Fais attention. Quel lancer précis! T'es une vraie pro! Marie, tu veux bien arrêter? Je commence tout juste à écrire un gougou. Quelle que soit ton habilité à esquiver, tu dois te préparer correctement. Je suis prête à faire mon lancer décisif. Wow! Ta boule de neige ne m'a pas touchée! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? D'où vient la neige? Bien joué, Marie! T'as frappé juste! Kate! Je vois que personne n'ose appuyer. Il faut choisir la première par nous-mêmes, Lily ou Emma. Je suis prête. Qu'est-ce que ça va être? Emma, j'ai cru en toi. Bien joué. Je suis en route. Très vite, tu comprendras ce qu'il y a derrière ce bouton. Au fait, c'est un chewing-gum énorme et délicieux. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Attrape. Je comprends pas ce que c'est. Oh wow! C'est un chewing-gum ça? Super! Ne t'arrête pas. C'est beaucoup de chewing-gum. J'ai toujours rêvé d'avoir autant de chewing-gum. Il est temps de goûter ça. Oh oui, c'est doux, c'est bien et sucré. On dirait que j'ai choisi le bon bouton, c'est sûr. Il est temps de faire des bulles. Je suis douée pour cela. Oh, je pense que la bulle a appuyé sur un bouton et maintenant je suis piégée. C'est drôle, il y a quelque chose de spécial à cela. Et moi, appuyé sur un autre bouton, de façon inattendue. Bon, c'est son choix. Emma, tu vas boire du coca. Tu dois aimer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas pourquoi il y a autant d'eau ici et pourquoi c'est brun et marron. Oh, c'est pas de l'eau, c'est du coca, je te l'ai dit. Alors, t'aimes bien? Oh, je vois que Emma ne répond pas. Bon, il faut utiliser un ingrédient secret. Mentos. Cet endroit va être une explosion. Une sorte de bonbon? À quoi sert-il? Est-ce que c'est des mentos? Oh mon dieu! Ouais, heureusement que j'ai apporté mon parapluie. Alors Emma, ça va? Salut! Je suis assise à l'intérieur d'une énorme bulle. C'est donc pour cela qu'elle ne répond à rien. C'est bon, je vais réparer ça maintenant. Peut-être qu'il faut pas? T'inquiète, c'est mieux. Lily, nous en avons fini avec Emma. Je viens te voir. Qu'est-ce que t'as choisi? Honnêtement, je n'ai pas encore décidé. Je vais devoir deviner. On dirait que j'ai touché sur le bouton jaune. Qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi, j'attends. Je déteste le dire, mais j'ai peur que tu ne l'aimes pas du tout. Il y a une énorme assiette de fromage qui pue. Quelle odeur dégoûtante! Je pense que quelque chose est pourri. Oui, il faut nous en débarrasser rapidement. Emporte ça, Lily. C'est du fromage moisi. Je ne peux pas le supporter. Dépêche-toi de m'apporter un masque à gaz ou je vais suffoquer. Mon Dieu, c'est lourd. Comprenez ça. Lily, c'est contraire aux règles. Tu ne peux pas renoncer à ton prix. Je m'en fiche. Oh non, tout vraiment, je suis sur le point d'aller chez Emma. Ça doit être une erreur. J'ai cliqué nulle part. Prends ton fromage puant. Désolé, Emma, c'est entièrement la faute de Lily. Et au fait, tu n'es pas censé sortir de la boîte. Maintenant, retourne t'asseoir, ne ressors plus jamais. Qu'est-ce que vous faites? Ne me frappez pas! Bon, je ne comprends pas du tout ce qui se passe ici. Je vous ai dit que vous n'avez pas le droit de sortir des boîtes. Mais je ne peux pas respirer. Lily est de nouveau à l'œuvre. Prends ça! Quelle vilaine fille! Tu penses que nous sommes si faciles à intimider? Nous ne le ferons pas. Donne-moi ton stupide manteau rebondissant. Quel clown! Espérons que nous aurons plus de facilité à trouver un terrain d'entente cette fois-ci. Nous devons au moins faire un choix avant. Mais mes yeux sont épargnés. Je pense que j'ai encore appuyé sur le bouton jaune. Pas mal, Lily. Je viens à toi. Tu te débrouilles très bien. Félicitations pour un autre choix. Tu vas avoir droit à une fraise savoureuse et juteuse. Ah, quelque chose m'a frappé en plein dans l'œil. C'est une fraise. Génial. J'adore les baies. Je pense qu'une baie ne sera pas suffisante. J'en ai d'autres pour toi. Attrape, c'est tout à toi. Wow, gel de fraise! Génial! J'ai finalement eu de la chance et j'ai obtenu un délicieux. C'est une belle journée aujourd'hui. Je pense qu'il manque quelque chose.
C'est fait, nous avons besoin de crème fouettée. Ils vont très bien avec les fraises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est de la crème fouettée? Je pense que je devrais essayer de tremper des fraises dedans. Très bien, ça suffit, ça suffit. Comme tu veux, Lily. En plus, ce réservoir est déjà vide. C'est tout. Je vais chez Emma. Et voilà ma boîte entière remplie de crème. Lily, t'es magnifique. Oh, arrête avec la tendresse. Voilà, elle ne partage pas mes sentiments. Mon cœur est brisé. Je m'en vais. Qu'est-ce que t'as là, Emma? J'essaie de me décider. Et jusqu'à présent, rien ne fonctionne. D'accord. Le sauce en chocolat, c'est très bon. Ça ne me dérangerait pas de boire moi-même un bidon entier pour guérir mes blessures. Qu'est-ce que c'est? Je n'aime pas du tout ça jusqu'à présent. Wow, c'est du chocolat! Je retire ce que j'ai dit. C'est délicieux. J'en veux encore. C'est génial. C'est délicieux. C'est ça. Le bidon est vide. Ça a l'air délicieux. Emma, je vais en prendre. Plus de quoi? C'est mon chocolat. Je ne vais pas partager. Il n'y a qu'une portion pour une personne. Emma a décidé de me briser le cœur aussi. J'en ai marre. C'est l'heure de la vengeance. Puisque tu es si froide et insensible, va chercher de la glace. C'est si froid. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, je n'arrive pas à mettre une dent dans ma bouche. Je peux à peine bouger. Mon corps est gelé. C'est ta propre faute. Waouh, t'es si froide. Tu le sauras. J'en ai assez d'attendre. Et quelqu'un appuie sur le bouton. J'ai presque pris ma décision. J'ai juste besoin de quelques secondes de plus. Lily, super. T'es sur le point d'obtenir ce que tu mérites. J'arrive. J'espère que t'es prête. T'inquiète pas, tu vas te régaler. Une grosse pile de guimauve. C'est pas génial, ça? Sent si bon. Ouais, génial. Je pense que je vais en essayer quelques-uns. Et c'est à toi. C'est quelque chose de petit, de coloré. Je l'ai trouvé, marmelade. Génial. C'est tellement délicieux. Ce n'est pas tout? Pourquoi une si petite portion? Je veux plus. Léa encore appuyé sur le bouton? Eh bien, c'est son choix. Bon, plus de marmelade. Attends une seconde, j'ai une idée. Et si tu faisais fondre la marmelade? Le goût serait toujours le même, mais la forme changerait. Voyons si Lily aime ça. Je vais prendre mon sèche-cheveux et j'allume l'air le plus chaud. C'est parti. Je pense que c'est un plan très astucieux. J'ai hâte de voir comment Lily réagit. Tout est prêt. Ça ne ressemble pas du tout à des bonbons à la gelée. C'est quoi cette bouillie dégoûtante? Non, j'ai demandé autre chose. Bien que je puisse me tromper. C'est vrai, c'est de la marmelade. C'est délicieux. J'aurais aimé essayer ça avant. Je suis sûre que ça aurait été ma friandise préférée il y a longtemps. Je parie que Lily est vaincue. Oh non! Qu'est-ce qu'elle aime vraiment? Voilà mon plan diabolique a mal tourné. C'est bon, je m'en vais. Emma, rends-moi heureux et en faisant le bon choix. J'aimerais savoir ce que c'est censé être. Oh, il y a un os dessiné ici. Je me demande de quoi il s'agit. Je pense que ça vaut le coup de vérifier. Une décision très courageuse. Un os, tu dis? T'es sur le point de découvrir ce que ça signifie. Salut mon pote, dépêche-toi de te joindre à moi. T'es si bon. Donne-moi l'os. Bébé connaît tous les ordres. Que devons-nous faire avec toi? On continue à jouer? Je sais que t'en as envie. Attrape l'os. Salut. Je n'attendais pas à voir un chien ici. Bébé, je t'aime bien. Reste ici. Je te caressais et te grattais. C'est ça? T'as réussi à remarquer ce bouton? Je pense que t'aimes ça. Oh, tu as appuyé dessus? Peut-être tu n'aurais pas dû faire ça? Emma a encore appuyé sur le même bouton. Très bien, c'est sa décision. Comme mon ami est déjà à l'intérieur, je vais devoir verser la nourriture dans la boîte. Ça sent tellement mauvais. Berk. Qu'est-ce que c'est? Une friandise pour notre ami à fourrure. Bébé, dépêche-toi de mettre par terre. Je suis au tir arrière. T'inquiète pas, tu vas danser au tir. Quand est-ce que ça va se terminer? Assez. Eh bien, c'est bien ça. Wow, je pense qu'il y a de la nourriture juste pour toi. Allez. Bon garçon. Bon appétit. T'inquiète, ne te presse pas. Oh, il n'y en a plus. Mange.
je mange, t'inquiète pas. Ouais.